on vit dans un tel environnement si magnifique, on ne peut pas garder ça pour toi. Donc on le partage. Bah, l'idée, c'est que le maximum de personnes reprennent conscience de ce qu'est une rivière. C'est notre eau potable, c'est notre garde-manger, c'est notre milieu de vie, ça a été notre moyen de déplacement. Et aujourd'hui, principalement sur la planète, les rivières, c'est des déchetteries. Donc voilà, il faut remettre tout ça dans sa place. Et puis c'est un magnifique endroit pour venir se ressourcer, pour se retrouver avec soi-même, avec la nature. Et puis surtout pour partager des moments de convivialité au cœur de la nature avec des gens sympas. Un fleuve, c'est quoi? Un fleuve, c'est une définition dans un dictionnaire. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui jette dans une mer ou dans un océan. Point à la ligne. Une fois qu'on a dit ça, t'as 5 à ta géo, basta. Puis après. Et la rivière, c'est quoi? La rivière. Déjà, c'est un nom féminin, c'est poétique. Un marinier, il va plus être amoureux d'une rivière que d'un fleuve. Et puis la rivière, ça remet en place des notions différentes de celles du fleuve. C'est la source de vie. C'est l'eau qui coule. C'est l'eau potable. Voilà. Et puis c'est tout un environnement qui va avec la rivière. En région Centre-Val-de-Loire, on est dans un endroit qui est le berceau de la navigation et notamment de la navigation canalisée. On a la Loire qui a été un espace d'échange et de commerce fantastique. Et puis on a tous les canaux. Et tout ça qui a permis de construire Paris, de donner à manger à des millions de gens pendant des siècles, et bien aujourd'hui c'est un peu en péril. Et si on ne préserve pas ça, qu'est-ce qu'on va laisser à nos jeunes après? On est ici, on est à la porte d'entrée du Val-de-Loire. Pour construire les châteaux de la Loire, c'est passé par la Loire. Les matériaux sont arrivés par les bateaux. Et aujourd'hui, tout cet environnement et toutes les infrastructures fluviales qui ont été construites au 17e et jusqu'au 19e, on ne peut pas laisser tout ça pourrir aujourd'hui. Oui, bien sûr, les feuilles de pissenlit font une super salade et on peut même manger les fleurs. Un peu amer, mais quand on met de l'œuf dur par exemple, ça adoucit. Donc, ouais. Là, les boutons floraux, ça c'est super bon aussi. Et c'est ça, des boutons de quoi? De pissenlit, ça? De pissenlit, ouais. Donc, ça tu peux les faire revenir à la poêle ou alors les mettre dans un bocal avec du vinaigre comme des câpres, c'est super bon. Je démarre toutes mes balades, je dis rien. Les gens, ils montent sur le bateau, on part. Tout le monde se sent bien. Et pourquoi? Mais ça nous rappelle des souvenirs. La rivière, elle est ancrée dans nos gènes depuis des milliers d'années. Et puis, c'est aussi c'est le ventre maternel, on est bercé, etc. Donc, c'est tout un tas de notions qui nous remettent, qui nous recentrent.